On continue le SSD Tour. Je suis à Blanc-Ménil, une ville de la Seine-Saint-Denis située à 8 km de Paris. Et comme tout le monde, je suis sûr que vous avez plein d'idées arrêtées sur cette ville alors qu'elle est en plein boom et vous allez comprendre pourquoi. Pour arriver à Blanc-Ménil, vous prenez le RER B à Gare du Nord ou à Châtelet. En 15 minutes, vous y êtes. Vous descendez en gare du Blanc-Ménil. Le RER B, je ne vous l'apprends pas, c'est celui qui dessert les deux aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle. Donc c'est très pratique pour les habitants. Quand je suis arrivé en France il y a 14 ans, j'ai atterri directement à Blanc-Ménil. Si on m'avait dit que la ville changerait autant, j'aurais acheté un appartement, voire deux. Parce qu'à l'époque, ça valait rien. Aujourd'hui, c'est devenu l'une des villes les plus prisées du 93 et c'est intéressant d'y acheter. La ville est assez pourvue en établissements de santé, laboratoires d'analyse, pharmacie, médecins, et une grande clinique au centre-ville qui est lui-même d'ailleurs assez animée avec pas mal de commerces de proximité. Il y a des fleuristes, un cinéma et des commerces de bouche. Il y a trois gros lycées au Blanc-Ménil qui sont réputés pour la formation, mais surtout l'accompagnement des élèves qui est optimal. Le lycée de l'Aérien, le lycée général et également le lycée polyvalent Jean Moulin qui se trouvent tous les trois à proximité du parc Jacques Duclos. Celui-ci même est un atout fort pour la ville, 24 hectares de terrain et c'est le repère des sportifs, des familles, mais également un vrai luxe pour les lycéens du coin qui peuvent profiter des intercours pour s'y balader. Et oui, ne vous méprenez pas, il y a de la culture au Blanc-Ménil. Il y a le théâtre qui propose une belle programmation assez variée de spectacles et de musique pour toutes les générations. Julie Dubigny, Julien Clerc, Garou, Michel Drucker y sont passés et bien d'autres qui sont prévus toute l'année avec des dates différentes de représentation. La zone pavillonnaire du Blanc-Ménil est très dense. Plus de 40% de maisons dans des quartiers où il fait bon vivre. La ville du Blanc-Ménil est inscrite dans le projet Grand Paris. En plus du RER B, il y aura la ligne 16 en plein centre du Blanc-Ménil, mais aussi la ligne 17 du côté de l'aéroport du Bourget qui desserviront cette belle ville. En recense, au Blanc-Ménil, plus de 11 200 emplois répartis sur 5 sites d'activité. Je suis ici sur l'un des sites d'activité. On a ici des entrepôts logistiques comme Amazon. On a également les entrepôts de Monoprix. Comme je vous le disais, le Blanc-Ménil est en plein boom actuellement. Pas moins de 20 projets immobiliers sont en cours de commercialisation et de construction. Édouard Denis, Ogic, Sepimo. J'ai personnellement vendu 3 appartements quand j'étais dans l'immobilier neuf. Ils respectent tous un style haussmannien. C'est visuellement très joli. Pour acquérir un bien, il faut compter entre 3 000 et 4 200 euros du mètre carré. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous voulez continuer à m'encourager, abonnez-vous.